Je ne le vois pas. Vous ne voyez pas le chat et moi je le vois. Ah oui, mais non. D'accord, ok. Bon, c'était de la merde, ok. Bah, du coup, je vois pas le chat. Quoique, attendez. Dites quelque chose si vous êtes là, les gens. On est parti, là, oui, bon, allez, on reformate, hein. Hop, c'est parti. La souris dégage. La carte de mémoire a été reformatée. Voulez-vous créer un fichier, un slot? Ouais, on est parti. On est parti, ah, du Zelda! Oui! Est-ce que le jeu lag? Oh, j'ai peur que le jeu il lag. Oh, j'ai très peur. J'ai extrêmement peur que le jeu lag, les gens. Prends ton téléphone et mets le live pour voir le chat. Quelle bonne idée de UU! Oh là 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 là! UU la colle qui a toujours des excellentes idées. Alors, je mets le chat une petite seconde. Oui, lag. Non, non, ça lag pas, ça lag pas. J'ai juste pas lancé le jeu, hein. Calmez pas. Calmez-vous, calmez-vous. J'ai juste lancé le jeu. Je vais regarder ça via mon téléphone. On est sur le menu. Oui, on est sur le menu. Moi aussi, je suis sur le menu. Vous inquiétez pas. Le fichier a été créé. Et on est parti directement. On va s'appeler Link, évidemment. Epona. Le test de luminosité qui est concluant. Et on est parti du coup pour cette nouvelle aventure. Ça vous fait un double Zelda. Ah, mais c'est le Rappy! Oui, c'est le Rappy! Je me sens toujours mélancolique lorsque le crépuscule arrive, pas toi? On dit que c'est le seul moment où l'au-delà et notre monde se recoupent. Le seul moment où l'on reçoit l'angoisse des âmes bannies dans ce monde sans lumière. C'est de là que vient cette solitude, ce désespoir qui nous déchire le cœur entre chien et loup. Link, j'ai une faveur à te demander. Après-demain, je dois partir à Hyrule remettre un objet à la famille royale. Le chef du A m'a désigné pour cette mission, mais tu n'aurais pas y aller à ma place. Oula, le jeu a freeze chez nous. Ah, ça lag. Non, non, je suis là, je suis là. On a encore le message, allez-vous reformater votre sauvegarde? Ouais. Hyrule. Attendez, je finis juste le dialogue et je check ça. Le château du royaume d'Hyrule est magnifique. Comment ça, ça lag chez vous? Comment ça? Je ne peux pas le croire. Je ne peux pas le croire. Ce n'est pas possible. On va te virer. Non! Attendez, attendez, mais c'est pas possible ça. Ça ne peut pas avoir. Ah oui, c'est un. Ah oui, c'est un freeze. Ah, pour être un freeze? Mais comment. Attendez, comment ça se fait? En fait, genre, c'est même pas un freeze de live. C'est même pas un freeze de live. C'est un freeze de. Mais attendez, mais ça c'est totalement pas normal en fait. Pourquoi? Ouais, on va relancer le jeu les gens, hein, parce que là, arrêtez. On va arrêter l'émulation en cours. Démarrer. Ah oui! Ah oui! Redémarre Dolphin, ok, on redémarre, on redémarre, on redémarre. Désolé, c'est la première fois que j'utilise. Des... Mais gros! Mais. Pff, quoi? Ah voilà, ok. C'est mon. Ok, non, c'était pas Dolphin le problème. C'était OBS qui s'était focus sur un truc. C'était OBS qui s'était focus sur un putain de. Non, je voulais pas redémarrer. Non. Non, méchant Dolphin. Méchant le Dolphin. Mmh. Méchant Dolphin. Je regarde. Attendez, je regarde vos commentaires. Redémarre Dolphin, le chat est un poil trop en haut. Ah oui, le bon freeze. Ah bah oui, le bon freeze. Comment ça, le chat est un poil trop en haut? La résolution. Attendez, attendez, attendez! Attendez, calmez-vous! C'est tout le monde qui parle en même temps, là, je vais tous vous punir. Allez, tous au coin, là. Tout le monde est mute. Non, je déconne. Alors, attendez. Mais non! Mais putain, j'en ai marre. Est-ce que c'est bon? Voilà.
On va se mettre en 60 Hz. Voilà. Ensuite, là, sur le live qui est où, qui est là, on arrête ça. Enfin non, on l'arrête pas. Dites-moi si c'est bon. C'est good. Oui, j'aurais besoin d'un secrétaire. Effectivement. Est-ce que le jeu est là? Dites-moi, je veux voir. Est-ce que le jeu est là? Est-ce que vous voyez le jeu? Est-ce qu'on a le link? Est-ce qu'on a la Epona? Est-ce qu'on a le début du jeu? Best stream EW. Je vous emmerde. C'est mon premier stream, je suis stressé, j'ai rien préparé. Au moins la prochaine fois, ça sera préparé apparemment. C'est bon, on voit le jeu. Eh bien, c'est parti. Voilà, on n'a pas loupé le son du jeu. On n'a pas le son du jeu. Quoi? Mais c'est un délire. Mais putain, mais je l'ai pas mis assez fort. Ouvrir le mixeur du volume. Mes lives sont mieux. Ta gueule, UU. En même temps, vous, vos lives, c'est quoi? C'est même pas sur PC, alors vos gueules. Voilà. Je me sens toujours mélancolique lorsque le crépuscule arrive, pas toi? On dit que c'est le seul moment où l'au-delà et notre monde se recoupent. Le seul moment où l'on reçoit l'angoisse des âmes bannies dans ce monde sans lumière. C'est là que vient cette solitude, ce désespoir qui nous déchire entre le chien, le cœur entre chien et loup, le chien entre cœur et loup. Link, j'ai une faveur à te demander. Après-demain, je dois partir pour Hyrule, remettre un objet à la famille royale. Le chef du mage m'a désigné pour cette mission, mais je ne voudrais pas y aller à ma place. Dis-moi, tu n'es jamais allé à Hyrule, n'est-ce pas? Tu peux répondre, Link, hein. Quel fils de pute. Pas de son, c'est normal. Le château du Hyrule... Ah oui, pardon, le son. Attendez, quoi? Voilà, c'est bon. Le son est là, le son est là, le son est là. Le château du royaume d'Hyrule est magnifique et la citadelle à ses pieds est beaucoup plus vaste que notre village. À ce monde créé par les déesses l'est encore plus. Tu devras découvrir toutes ces choses par toi-même. Nous ferions bien de rentrer au village. Je vais tout expliquer à Bondad. Ouais, le son lag un peu, ouais. C'est une cinématique et je pense que c'est le truc. C'est pas moi, hein. C'est pas moi. Ça vient du jeu. Ça ne vient pas de moi. Ça vient du jeu. Je préfère le dire. Le son lag, c'est... Voilà, c'est l'émulateur. C'est comme ça. En même temps, c'est Dolphin. Donc, on se calme. Ça va rester normalement pour la cinématique et ça partira après. Donc c'est pas de ma faute, c'est comme ça, ça sera comme ça au cinématique. Je réglerai ça la prochaine fois. Pour le moment, vous profitez de ce magnifique son qui lag. Ouah, la gueule d'Epona. Elle fait peur. Voilà, vous voyez que la scène lag plus le son. Quand on est... I never see that dude. Allez, taisez-vous et admirez le live qui commence sur du Zelda Twilight Princess qui est mon deuxième jeu préféré. Mon troisième jeu Zelda préféré. Ah, regardez ma tête de roux. Oh, il est mignon ce petit enculé de merde. Symphonie pour les oreilles et la surdité à 16 ans. Ta gueule. Ta putain de race, le rapi. Allez, c'est bon, là y a plus de soucis, on a plus de soucis de son. Oh non, pas toi, non, toi je t'aime pas. Ça c'est le perso que je déteste dans tous les jeux Zelda. Non, mais elle est chiante. Regardez-le lui. Hey Link! T'es là? Là il va sortir en mode. Hey bro! Désolé de te déranger, mais tu veux bien me donner un coup de main pour rentrer mes chèvres? Ces derniers temps, elles font comme si je n'étais pas là. C'est vraiment le jeu, t'aurais dû acheter le manga. Oui, je l'ai lu, le manga, il est bien. Oui, il y a un manga, oui, il y a un manga Twilight Princess. Hein? Ouais, Epona. La fille chante, je sais plus son nom. C'est Iria. Est un bon perso dans le manga. Je sais que c'est choquant. Oh! Un écureuil! Oh my god! Oh my god, oh my god! Oh my god! Oh my fucking god! Oh, un écureuil! Bonjour. Viens vite et emmène Epona avec toi. Ouais, trop bien, ouais, ouais, trop bien. Oui, le nom du personnage chiant, c'est Iria, hein, les gars.
C'est Iria. La symphonie pour les oreilles est de retour. Ok, il y a un truc que je vais changer directement. Je suis désolé, il y a un truc que je vais devoir changer. C'est pour le bien du monde. C'est dans les outils. Et je ne peux pas les changer maintenant. Un vrai bonheur. Un vrai bonheur. Alors là, je me sacrifie pour vous, les gens. Parce que là, j'en peux plus. Quel doublage! Le PC qui supporte même pas un jeu GameCube. Le PC qui surtout ne supporte pas un live, c'est plus probable en fait. Le PC supporte un jeu GameCube, c'est juste que je l'ai très mal optimisé. Et mon PC supporte Overwatch en qualité élevée et LOL en même temps. Donc je ne vois pas pourquoi il supporterait pas un jeu de GameCube. Qu'est-ce qu'il y a là, ici? Ah! Il se passe quoi? Ah, parce qu'elle avait fermé. Ah non, elle avait ouvert la porte. Ok, donc moi je suis juste un putain de thug. Ouais, ça va être comme ça à chaque cinématique, les gens. Désolé pour le moment. Quelle personne, merde. Je l'aime pas du tout. Oh Link. Epona est prête, je l'ai brossé et étrié pour toi. Je m'en bats les couilles, je vais me faire ton petit cul. Et là il pense à toutes les choses. Pardon. Du coup on prend Epona, le cheval est passé comment? Le cheval est pas passé. Y a pas de cheval, je sais pas d'où est-ce que tu vois un cheval toi. Wow. Wow. Alors, ce qui est marrant, je tiens juste à dire quelque chose. C'est qu'en ce moment, pour ceux qui savent pas, je suis sur BOTW, sur Breath of the Wild en gros. Et en fait, avoir un cheval qui possède autant. Merde, pas fait exprès. Avoir un cheval qui possède autant de barres d'endurance et qui est aussi maniable, ça faisait longtemps que j'en avais pas eu un. Hein. Non, celui-là, il est pas débile. Enfin, si, un peu. Enfin... Où suis-je? Où suis-je? Ah! À l'aide! Où suis-je? Ok. Ah, c'était la maison de Link. D'accord. Oui, donc du coup, oui, le retour du cheval débile, oui. Donc, si je me rappelle bien, c'est Toll. Le nom de la ville, c'est Toll. Ou Toad. Toll, c'est ça. Waouh. Je pense que je vais faire un restart du jeu, par contre. Appréciez cette douce symphonie, les gens. Attendez, je sauvegarde et on change ça. Genre là, ça va pas du tout. Ok, ok, je vous change ça. Je suis désolé. C'est... Ah putain, je vous nique l'émulation. Je vous nique le jeu. Je suis en train de vous niquer le jeu. Oh putain. Oh, what the fuck. Ok, arrêtez l'émulation en cours. Outils. Non, attendez, je veux juste changer mes manettes. Configurer. Déjà, ça va pas aller. Vous voyez, pour le stick, etc. Attendez, je vous fous. Ah. Ah, on m'entendait pas. On ne m'entendait plus. Quoi? Attendez, quoi? Ah mais non. C'est une blague. Mais c'est une blague. Oh, j'en ai marre. Ouais, j'en ai marre. Ok.
Attendez. Oh! Voilà. On va se remettre comme ça pour le moment. Je suis complètement perdu. Je vais changer vite fait les 2-3 petits trucs que j'ai à changer. Hein? Donc, gauche. Il se passe quoi? Tourner la version Wii et mettre la webcam et te voir gigoter ta Wiimote. Bah, le fond vert. Bah, du coup, le fond vert. Non, du coup, je vous change vite fait les options graphiques. Options graphiques. Je vais vous changer ça. Je vais mettre en plein écran toujours. Je pense qu'en vrai, je vais peut-être pas le mettre en plein écran. Mario Galaxy. Bah, putain, mais je vais le faire. Je le ferai, Mario Galaxy. C'est un jeu qui est tellement bien, Mario Galaxy. Pour me voir rager, hein, avec la Wiimote. Bande de fils de pute. Interface, général, audio. Oui. Activer l'économiseur d'écran. Non. Je suis en train de régler mes paramètres graphiques. Moteur de base. Est-ce que... UU, toi qui es là. UU, toi qui es là. T'as lequel dans ma... Le premier. UU, toi qui es là, c'est quoi le meilleur moteur graphique pour le faire fonctionner le petit Dolphin? Là, j'ai OpenGL, Direct 3D 11, Direct 3D 12 en expérimental. UU, dis-moi, c'est lequel le meilleur pour que je change vite fait? Je pense qu'il répondait pour lui, Ice Phoenix. Ah, voilà. Ok, je vous redémarre. Enfin, non, je vais pas redémarrer le truc. Je vais voir vite fait par moi-même si tout est ok. Sinon, j'ai un autre jeu. J'ai un autre jeu, sinon ça devrait aller. J'ai un petit jeu sympa que je connais pas trop, que je connais même pas du tout en fait. Et que j'aurais bien envie d'essayer. La seule fois où j'ai touché Dolphin, c'était pour Mario Sunshine et le jeu tournait bien par défaut. Oh, Mario Sunshine, c'est la vie. J'avoue que Mario Sunshine, faudrait que j'essaye parce que j'ai jamais essayé en fait. Sinon, ça va finir sur du Majora's Mask, hein, clairement. Ça me décevrait de devoir terminer sur du Majora's Mask, même si c'est le. Au fait, Alva, si tu veux, j'ai Mario Galaxy 2, je pourrais te le passer. En fait, le truc, c'est que. Ouais, mais non. Parce que je pourrais télécharger sur Dolphin, donc y a pas de souci. Je pense que je me ferai une petite session de téléchargement de jeux sur Dolphin. Ok, donc là, vous voyez rien. Mais en gros, là, je suis en train d'essayer vite fait. Tout, 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 tout. Et bah voilà, c'est. Bah voilà, là, c'est parfait. Je vais juste aller. Alors attendez, je check, hein, je check. Pour toi là, je te propose de jouer à la version 3DS de Majora's Mask avec Citra. Voilà, c'est tout bon les gens, c'est tout bon. Donc le son est bon mais bonne qualité. Voilà, parfait. Et on est de retour, voilà. Excusez-moi. Allez, on est parti. On va aller du coup voir les chèvres de notre cher ami. Voilà, bah voilà, vous voyez, je suis passé en direct 3D 2.
Direct 3D 1, 11 avec ma carte graphique. Et c'est mieux en fait. Comment ça, écran noir? Ah oui, alors attendez. Hop. Voilà. Et là, il n'y a plus d'écran noir. Voilà. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Arrêtez de gueuler, écran noir. Voilà. C'est plus noir. Arrêtez de dire que c'est noir, bande de racistes. Ce n'est plus noir. Là, là, de mon point de vue. Ah, c'est noir. Mais non, c'est pas noir. Mais non, non, c'est... Arrêtez de dire que c'est noir. Attendez, mais quoi? Là, c'est pas noir. Là, c'est pas noir, les gens. C'est très Lucienne. Là, c'est pas noir, les gens. Là, vous avez une image, rassurez-moi. Rassurez-moi, s'il vous plaît. Sainte Marie, Mère de Dieu. Ou Echo. Ou Karma. Bah oui, c'est quand je quitte OBS, mais je suis obligé. L'écran devient noir. Oh bah ouais, alors attendez. On va réussir. Les gens, je vous jure, on va réussir à faire ce live, ok? Je vous le jure que nous allons réussir à faire ce live. Non, pas Karma. Ah si, Karma, Et là, les gens, c'est tout bon? Est-ce que là, on est bon? Ah, voilà, là, on est nickel. Je vais changer ça. C'est bon, chocolat à fond. La team chocolat, high five. La brigade chocolat. Parfait, les gens, c'est tout bon. Chat connecté, chat joined. Voilà. Eh ben, on peut continuer. Voilà. Ah, il faut que je l'aide normalement. Excuse-moi de t'avoir fait venir aussi vite, Link. Tu sais, les chèvres n'obéissent plus ces jours-ci. Ah, mais t'es une victime, en fait. Désolé de te demander ça, mais tu vas les rentrer à la bergerie avec Epona. On n'a pas beaucoup de temps. Alors, tu peux commencer tout de suite? Oui, oui. Bah, suffit de les chasser pour qu'elles rentrent dans la bergerie. Pardon, par contre, je... par contre, dans mes lives, je vais beaucoup chanter, hein, parce que... Comment? Alors, si vous voulez détruire, que je détruise vos classiques, n'hésitez pas à appeler Alvator, hein. Alvator, le destructeur de classiques. Ah, attendez. C'est quoi la gueule des chèvres? C'est quoi la gueule des chèvres? Pourquoi elles ont deux dents là? Regarde. Elles ont des dents de castor, les chèvres. C'est pas des chèvres. C'est pas des chèvres, les gens. C'est des monstres. Papa, allez, papa. Papa, 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 papa. Qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qu'elle a? Oh, la merde. Eh, eh, ma grande. Alors là. I go cool you, I go cool you, I go cool you wait, see your tail, I don't want to see my tail. Donc, qu'est-ce que je disais? Les chèvres, si on était sur BOTW, je vous enculerais. Ça fera un petit moment que je vous aurais bouffé, tué et bouffé, en steak. N'hésitez pas à venir voir mon let's play sur BOTW, sur la chaîne Alvator, évidemment. On va être au boss final bientôt, donc n'hésitez pas à venir. Oui.
Non, arrête de m'appeler. Le mec joue à Twilight Princess car il est trop pauvre pour Breath of the Wild. Bah non, je l'ai en fait, Breath of the Wild. Je l'ai, Breath of the Wild, en fait. J'en suis au boss final. Link, Epona, merci beaucoup. Demain, je vais me débrouiller tout seul, repose-toi bien. Oh, et maintenant, tu fais quoi? Tu veux faire un petit entraînement au saut à l'obstacle avant de rentrer? Juste une seconde, je te prépare le terrain. Merci, il bouffe des chèvres comme Moundir dans Koh-Lanta. Mais Moundir, c'est un dingue. Et voilà, tu peux t'entraîner autant que tu veux. Quand t'auras fini, saute par-dessus le portail pour partir. Ça, c'est une référence à Ocarina of Time. Hein. Le but, c'est de sortir de... Oh, on lui met des vieilles claques, là. Ce mec frappe des chèvres, puis les mange avec un hand spinner dans les mains. Défi incroyable. T'es d'accord, Momo? Ouais, je suis d'accord. Salut, Wallam les races, c'est GameX13. YOLO. Et en vrai, si c'est fluide, moi, je suis grave content. N'hésitez pas à aller voir aussi, si vous êtes pas là, si vous avez loupé du live... Ou si vous voulez revoir, vous voulez vous sauvegarder, oui. Si vous avez loupé, n'hésitez pas à aller voir la rediff sur la chaîne YouTube. Le week-end la rediff. Enfin, le week-end rediff. N'hésitez pas. C'est assez simple et il y a toutes les rediffusions de tous les lives de toutes les personnes. Donc, c'est-à-dire de Upsy, etc. Essayez de ne pas rire, ce mec ne sait pas que c'est un inspinner et essaye de le manger. La rediff. Ouais, il y a toutes les rediffs sur cette chaîne YouTube. Allez debout Link, c'est plus l'heure de dormir. Ah oui, je vais faire des... Alors je vais faire des accents à chaque personnage. La pub d'Albator. Lumière divine. Je vais faire des voix à toutes les personnes. À tous les personnages. Alors je crois que l'endroit ici c'est ce qu'on appelle une cave. Je lui offre un téléphone iPhone 7 prank vomi. Et Ace Phoenix qui finit level 5. Alors vous pourrez toujours faire des dons. Le truc c'est qu'il n'y a pas d'affichage pour les dons. Mais à la fin je regarderai. Alors ça c'est chiant parce que on a la texture du coffre, on sait qu'il y a un coffre, mais il faut la lanterne pour aller ouvrir ce coffre. Dire que cette personne, je la connais en vrai. Mais Ice Phoenix, tu sais, c'est ce que je me dis à chaque fois que tu loupes un ulti avec Sona ou avec Nami. Et dire que je connais cette personne en vrai. Allez, donc ça c'est fait. Là, vous pouvez mettre un popopo dans le chat. Tellement différent dans le truc appelé vie réelle. Non. Non, en vrai, je suis pas si différent que ça. Ah! Oh mon dieu, regardez-le! Il a une... Ouah! Attendez, comment je bouge? Regardez sa coupe! On dirait un moine au monastère! Ça, c'était avant. Non, toujours maintenant. Sérieux, tu réclames des dons? Non, je propose aux gens de faire des dons. Différent. Tuto, comment jouer à Zelda Breath of the Wild sur PS4? Mais putain, mais ta gueule... Regardez! C'est le monastère! Il a la coupe du monastère, le king. Oh, le con. Ah, il ne s'en rend pas compte. Ah, Link, dis, tu savais, toi? Il y a un lance-pierre au magasin. Non, mais tu te rends compte? Il y a une amende, si c'est puissant comme arme, il faudrait essayer. Si toi et ton frère en avaient tellement envie, pourquoi vous n'avez qu'à aller l'acheter? Mais c'est très cher pour nous. On ne pourra jamais se l'offrir. Allez, Naïs, tu veux pas aller l'emprunter? Allez, quoi? Tu sais bien que mes parents ne voudront jamais. Vous n'avez qu'à m'économiser votre argent de poche. Faudrait que je me rappelle de leur voix, eux. Oh, ça clash le level de leur api. Oh, oh. Avant, je jouais Nami et Sona, c'était donc avant. Tu joues toujours Sona et Nami. Avec ce qu'on reçoit, le temps qu'on réunisse la somme, on sera adulte. C'est pas drôle. Ouais, bon, j'ai pas vu qui parlait. Ok, ça veut dire... Tuto, joueur de jeu PS3 et PS4 gratuitement, sans PC, ni USB, ni Internet, seulement via les réglages, no fake, 100%. Faire tourner des jeux PS4 sur téléphone. Avoir le dernier Resident Evil sur téléphone sans argent ni internet. Je détecte de la schizophrénie. Bonjour Link. Ah, c'est putain. On dirait que Fad va devoir se débrouiller seul à la bergerie aujourd'hui. Les jours où il travaille seul, il y a toujours quelque chose qui va de travers. One chef, cette dame fuit. Chèvre droit devant. Du fromage de chèvre. Papa, papa, là-bas!
Oh mon dieu, elle s'enfuit! Regardez la chèvre! Oh non, voilà notre gagne pas qui s'enfuit. C'est pour ça que je ne suis pas rassuré quand Fat travaille seul. Tu ne sauras pas pour la prochaine fois si jamais notre chef devrait s'enfuir. Il hurle Martine. Martine parle à l'oreille des lasagnes. Entre les chèvres! Mais c'est une blague! Arrêtez la chèvre! Le fromage de chèvre! Ya! Mais c'est une... Mastime sur une liste ton anus. Oh non, encore une! Ça, c'est le bétail ici, précieux. Eh, hey, grâce à nous, là, c'est Link le détruiseur de bétail. Mais putain, mais quel boulet! Je la dédicace sur mon téléphone! Ah, c'est un mec qui tire une ronche. Wow! Je l'avais prévenu. Ces derniers temps, elle s'était réexcitée. Grâce à toi, au moins, nous n'avons pas perdu celle-là. Merci. Quant à Fad, je retiendrai le prix de toutes les chèvres perdues sur son salaire. Ah, il y a un salaire. Insérer des flèches rouges. Et insérer un OMG avec une tête, oh mon dieu. Bon, alors, comment on a de l'argent dans ce village? Je vais pas vous cacher que je me rappelle plus de comment on a de l'argent dans le village. Ah oui! Alors, la première quête, elle est pas si facile que ça, d'après ce que je me rappelle. Ouais, ouais, UU, c'est un forceur de ouf, mais bon, c'est un streamer, du coup, faut fermer sa gueule. Ah, oh. Algémie? Ah, pardon. Ah, c'est toi, Link, je ne t'avais pas vu entrer. Bienvenue au magasin, au fait. Dis, tu n'aurais pas vu mon chat en venant ici. J'ai préparé la poisson pour le dîner, puis j'ai grondé, il n'est pas rentré. Ah. Image perdue. Non, mais un peu de freeze. Un peu de freeze. Non, c'est une blague. Vraiment? Oh merde. Je suis déçu. Hier, j'avais. Il n'est pas rentré. Je suis folle d'inquiétude. J'en perds l'appétit. Donc là, en fait, le but va être de lui retrouver son. Son chat. C'est la mère Martine. C'est la mère. C'est la mère Martine qui a perdu son chat. Son chat, en fait, il est tout simplement là-bas. Là, je vais passer un petit peu en mode tuto parce que je sais que moi j'ai énormément galéré. Ce que j'aime bien, c'est les mecs qui confondent. Genre, j'ai le bruit qui. Du coup, le petit chat il est là. Le truc, c'est que chat il faut l'appâter. Alors, comment on appâte le chat? Il me semble, d'après ce que je me rappelle, qu'il faut une canne à pêche. La canne à pêche, où est-ce qu'on l'a? On l'a juste là, vous allez voir. En fait, il y a différents trucs qu'il faut faire. Ah oui, ah oui. Alors dans l'ordre, dans l'ordre. Il faut aller ici. Hey oh Link. Ah oui non, on s'en fout. Ah oui, tu as préféré monter tout de suite. Oh, tu es plutôt impatient. Bah c'est pas grave, hein, mais regarde le chat, c'est pas le chat de Négocia. Je ne sais plus ce qu'il a, mais il fixe. Il y a un moment qu'il fixe la rivière comme ça. Je crois qu'il peut pas pêcher un poisson. Ah, elle est bien bonne celle-là. Un chat qui pêche. On aura tout vu. Ah, mais en fait, je voulais te dire autre chose. Sur le rocher là-bas, ce ne serait pas de l'herbe avec laquelle tu siffles tout le temps. C'est plutôt rare d'en trouver par ici. Alors, je t'ai dit que ça pourrait t'intéresser. Tu pourrais pas... Ouais. Pourquoi tu as appelé Zelda Link? Alors... Ah, elle est géniale. Et hop. Et donc voilà, on a un putain d'aigle qui peut se lâcher. Le truc, c'est qu'il faut le lâcher sur le singe qu'il y a là-bas. Donc comme vous voyez, on est beaucoup trop loin. Pourquoi j'ai pas ragé? Parce que je te connais, UU, et je sais que c'est un troll. Alors, on va prendre de l'herbe. En fait, le but est d'aller... Hop. D'aller choper le singe là-bas. Tu voulais le moment rage?
Link! Il s'appelle Link! Pas Zelda, vos darons les chauves! Voilà, c'est le moment. Regardez! En fait, là, je suis Queen! Les gens, je suis Queen! Valor, à moi! À l'attaque, Valor! Nyeh! Oui! YOLO swag! Oh, le singe, c'est le rapi sur LOL! Oh non, merde! Oh non! Oh non, je fais comment maintenant? Je peux le prendre là? Portez! Donne-le-moi! Donne-le-moi! Merci! Mais c'est qui Kara et Azriel? Tout le monde m'en parle. Ah, t'es vraiment sérieux? Non, me dis pas que tu sais pas qui est Kara et Azriel. La gueule du singe. Mais le singe, il était dégoûté quand je l'ai pris. Donc maintenant, le panier d'oseille, enfin pas le panier, mais le landau pour la femme enceinte qui est là, qui est la mère de Colin. Enfin, Colin, ouais. Oh, mais Link, j'étais justement en train de chercher ce couffin. Un couffin. C'est moi qui ai tressé ce couffin pour la naissance de mon premier enfant. Et j'en ai toujours pris grand soin. Comment as-tu deviné? Tu allais le chercher exprès pour moi? Oh, merci. Ah, mais j'y pense. J'ai quelque chose à te donner. Tu peux prendre le couffin et me raccompagner chez moi? Kara perso en mode génocide. Kara, je troll. Oui, oui, Kara, c'est... Je le sais parce que ma cousine m'en a souvent parlé. Oui, oui, Kara, c'est le ou la... Mais normalement, c'est censé être là. C'est le ou la meilleure amie d'Azriel. Puisque c'est la première enfant, le premier humain qui est tombé sur le monde. Et Azriel l'a récupéré, en fait. Azriel l'a récupéré, l'a élevé avec Azriel, avec Toriel et Asgore. Et le truc, c'est qu'elle est morte. Elle est morte pour les monstres. Si je me trompe pas, c'est ça. Elle est morte pour sauver les monstres, puisque pour qu'ils aillent à la surface, mais il manquait une âme d'humain, je crois. Merci beaucoup, Link. Ah oui, j'ai failli oublier. Je devais te donner ceci. Tiens, c'est pour toi. Et voilà, la canne à pêche. Elle n'est pas du tout finie, mais c'est mon fils, Colin, qui l'a fabriquée à l'aide de son père. Si ça t'intéresse, tu peux la garder. Voilà, donc la canne à pêche, tu te trompes. C'est à peu près ça, hein. C'est... Normalement, c'est ça, hein. Elle s'est suicidée. Enfin, elle a donné son âme pour que les monstres... Pour l'âme des monstres. Enfin, pour le monde des monstres, hein. Normalement, c'est ça, hein. Oui, je sais, l'histoire est plus triste. Oui, ils s'étaient liés d'amitié, etc. Mais n'en dites pas trop, puisque je vous invite à aller voir encore une fois sur ma chaîne. Je fais le jeu en let's play, donc n'hésitez pas. Je fais le jeu en let's play, je le fais en route pacifiste pour le moment. Quoi, c'est les monstres qui l'ont pris? Ouais, ne dis rien! Ferme ta gueule, ferme ta gueule, ferme ta gueule, ferme ta gueule! Quoi? Je fais comment pour sélectionner? Ah, ok. Ok. Bah, comme toi, Ive. Ah, bah non. Pas toi. Toi, tu passeras jamais master, Ive. Oh, je trash talk. Allez, le poisson. Ah, ça mort, hein. Ah, Gigi, ça mort aujourd'hui. Oui, oui, ça mort, ça mort. Non, j'ai pas fini Under Trail. Non, non, j'ai pas fini, donc non, 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 me dis rien. Sa mort! Oh mon dieu! Nya! Et on fait tourner les serveurs. Mais regardez Link, comment il s'en branle. Eh les gars, je sais pas si vous avez vu. Le bras de Link, il est en mode...
Le petit chat, il me suit. Miaou, miaou, miaou. Viens là, petit chat. Ah, le chat, il me suit. After Nine. Reviens là, petit chat. Et le chat, tu continues à me suivre. Oh là là, le chat. Coreux et l'herbé, what the fuck. Allez, petit chat. C'est une blague. Le chat, il est pas rentré. Mais le chat, il est pas... Non, non. Je dois recommencer. Non. Je dois recommencer. Putain, je dois recommencer, c'est chiant. Fuck, loupé. Me trouve, je crois que c'est comme la pêche. Non, j'ai l'impression que c'est comme la pêche dans Ocarina of Time, alors que pas du tout. Tellement pas. Mais non, mais c'est rien ça. Mais regardez le bras de Link. Oh man, Jay, c'est un goujon de 27 cm, j'arrive plus à parler MDR, lol. Ah bah ça y est, le 2, ah bah voilà, là c'est bon. Hey mon poisson. Non, regardez-moi ce chat. Mais quelle fourbe. Oh regardez, alors ça c'est plaisant. Le rapide, tu comprendras. Il n'y a pas d'endurance dans ce jeu. Il n'y a pas d'endurance. Tu peux nager autant que tu veux. En vrai, le Rappy, il est trop drôle. Genre, c'est le mec que tout le monde trash talk. Mais il est trop drôle. Regardez. Ficello, le bras. Le fromage trop rigolo, bras de Link. Oh, bonjour, Link. Oh, il faut que je te raconte ça. Regarde, regarde, mon petit chat est rentré. Mon petit Link est rentré chez sa maman. Et en plus, il a même rapporté un poisson. Il a peur... Ils sont encore en colère. Oh, regarde mon petit bout de chou. Regarde-le, il a payé son lolo. Il est tout content. Il est trop mimi. Mon tata, t'en as un cabour aussi. C'est gratuit. Je suis de bonne humeur aujourd'hui. Il lui en faut peu. Oui, il m'en faut tellement peu. On n'a pas besoin de me rendre le flacon de lait vide. Tu peux le garder et remplir avec ce que tu veux. Tu sais que les jeunes d'aujourd'hui gaspillent tant de choses. Oh, mais dis-moi, tu veux acheter quelque chose? Ça t'intéresse, regarde. Ah ouais, combien ça coûte? 50, 30 rubis. Non mais le Rappy, c'est le bro. C'est un de mes bros, ouais. Le Rappy, c'est un de mes bros. Alors du coup, je crois qu'en cassant... Je suis pas sûr, hein. Je crois qu'en cassant des citrouilles, on peut avoir des rubis. Donc on va aller checker ça. On va aller Chiquita. Pardon. Voilà, donc on peut avoir quelques rubis par ici. Alors ça, c'est les citrouilles les plus rapides à repousser que j'ai jamais vu. Regardez. Voilà, elles ont déjà repoussé. Un truc de... Il y a un fou rire avec Martine alors. Ah bah oui. Ah bah, le fou rire de Martine, il restera dans notre esprit jusqu'au bout. Est-ce que c'est des citrouilles qui, comme sont cachées, elles reportent plus de rubis? Pas du tout. Très bien. Ah si, un rubis bleu. Parfait ça. Hey Hive, je vais me faire fouetter par mon maître TMTC.
Aïe, ah, c'est le seul qui peut comprendre ça. Aïe, je vais me faire fouetter par mon maître. Non, maître, non. Tuto, comment monter à une échelle? On est d'accord que t'as le princesse égale au Ocarina of Time. Ta gueule! UU, tu fermes ta gueule, tu dégages de ce live. UU, tu dégages de ce live. Quoi? Mais il est sérieux? Mais je l'ai lancé pile sur le truc, il s'est buté contre la colline. UU, tu dégages de ce live. UU, tu t'en vas de ce live. Mec, dire que Ocarina of Time c'est la même chose que Twilight Princess, mais pas du tout. Twilight Princess c'est 20 000 fois mieux que Ocarina of Time. Moi je suis pas un de ces gogoles qui dit non, Ocarina of Time c'est le meilleur de Zelda, il est trop bien. Juste pourquoi? Parce qu'il y a Canon, il y a Zelda, il y a plein de temps, il est trop bien. Mais non, mais c'est un gogol. Non, mais c'est un gogol, les gars aussi. Non. PK, tu chantes du Joule aussi. Pigeon de hache égale aigle de Link. Mais non, mec, c'est Valor. Mais non, gros, c'est Valor. C'est celui de Queen. C'est pas celui de Hache, mec. C'est le pigeon de Queen. Mais oui, c'est Valor, exactement, Ive. C'est Valor. Valor, à moi. Faster. Faster. Valor. Attaque Valor. Mais regardez. Mais c'est un gogol. Non. Je vais te ban du live. Ok, je peux pas, mais chut. Bah le pigeon de Valor, regarde un truc qui s'appelle Randomville, le rapi, et tu comprendras. Tu comprendras pourquoi est-ce qu'on dit que Valor est un débile. Mais en fait je suis un gogol, je crois qu'il faut pas faire comme ça. Draven Saint-Valentin. regarde un truc qui s'appelle comment que c'est déjà le nom, c'est Randomville. Tu regardes un truc qui s'appelle Randomville et tu comprendras pourquoi on appelle ça le pigeon de... Enfin, Valor. Ah, mais je suis débile, en fait, on monte par là. Ah bah non. Quoi? Oh non, bah écoutez, les gens, je crois que c'était pas là, mais pas du tout. Je me traîne de Skull Kid, sinon ça va. Tu me files ta statuette de Skull Kid contre ton honneur, UU? Non, parce que c'est pas que je suis fan de Majora's Mask, c'est pas comme si c'était le meilleur Zelda Majora's Mask selon moi, mais si, un peu. File-moi cette statuette de Skull Kid. Et en échange, je te donne la statuette de Draven de Ive. Ive dit oui, Ive dit oui, Ive dit oui, Ive dit oui. Nanana, nanana. Ah, c'est avec la poule, je crois. Attendez, est-ce que c'est réellement avec la poule? Alors, pour ceux qui connaissent Zelda, ne jamais taper une poule. Oh là là là. Ah, je peux la lancer. Attendez. Mais non, elle est tombée. Aujourd'hui, je vous apprends comment faire du KFC. Alors, vous brûlez une poule bien dedans. Vous brûlez la bonne poule. Ah, c'est ça, c'est de la bonne poule. Ça, c'est de la bonne poule bien dedans. Heureuse psy pour Zelda égale Pigmen Minecraft, lol. Qu'est-ce qu'il y a sur BOTW? Y'a quoi sur BOTW? Ouais, j'avoue que je suis intrigué aussi. Y'a quoi sur BOTW? Non, y'a encore 30 minutes. Donc on a le temps. On a le temps de trouver les rubis restants. Et je connais le temps, je regarde, hein, t'inquiète pas. Non mais ouais, ta gueule avec tes citrouilles, toi. Il me faut 20 rubis, donc tu me donnes mes 20 rubis et tu fermes ta gueule.
Bah les poules. Qu'est-ce qu'elles ont les poules? Dis-moi Hive. Qu'est-ce qu'elles ont les poules dans BOTW? Dis-moi. Parce que ça se trouve tu dis une erreur. Game après elle va? Ouais pourquoi pas Ace. Enfin pourquoi pas Ace Phoenix. Qu'est-ce qu'il y a par rapport aux poules? Et là, elle sera contente ou pas? Parce que je vais quand même ramener son chat. Si tu les tapes, bah rien. Ah si, si tu les... Ah si, si tu les tapes, je peux te jurer qu'il y a quelque chose. Non, elle s'en fout. Alors la musique là est drôle, mais vous verrez quand on aura le Bodair. C'est pas Bodair qui s'appelle, c'est Baldair. Quand vous verrez qu'on aura les galeries Baldair, vous allez vous taper une barre et je pense que je mettrai la cam juste pour cette occasion. Parce que les galeries Baldair, les gens, c'est... La musique est juste excellente des galeries Baldair. Vous laisserez écouter. Et vous danserez avec moi pour cet épisode. Je joue à Emily is Away 2. Les vrais savent que ça s'appelle des poules... Que ça s'appelle pas des poules mais des cocottes. Oui, je sais que ça s'appelle des cocottes. Je sais que ça s'appelle des cocottes. Je le sais tout à fait. Est-ce qu'on peut avoir des rubis? Genre deux rubis. Ah oui, ça en donne. Très bien. Calmez-vous. Calmez vos bites. Le premier qui fait un don de plus de 100 euros, je Skype avec. Et je mets ça sur YouTube. OMG, il donne 100 euros en plein live. C'est incroyable. Et voilà, on peut avoir le lance-pierre du coup. Et voilà. On a 50 projectiles de base. Un don de 1000 euros égale nude explosive. Exactement. Hive, c'est pour toi. En vrai, attendez, je vais faire un petit truc vite fait sur OBS. Je pense que je vais rajouter. Alors, ça, c'est l'écran pause. Donc, non. Portal 2. Allez. L'acheter avec des skins. Pff. Peut te give des skins, Alva. Ouais, 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 des skins. Moi, je veux le nouveau skin de Yasuo. Tenez, je vous rajoute le truc là en bas. Voilà. Et mettez, il y a que ça de vrai. Voilà, je rajoute ça en bas pour les gens, pour si jamais vous voulez faire des dons. Voilà, je préfère le dire. Alors. Bon. Maintenant, le but. Skin de Yaz, facepalm. En vrai, j'ai envie de retrainer Yaz. C'est le best de... Oui, oui, je suis d'accord. Il est magnifique. Les nouveaux skins de Riot... Par contre, c'est chiant qu'il soit... On peut en débattre là-dessus pour ceux qui jouent à LoL. Par contre, ce que je trouve chiant... Oh! C'est un papillon. Par contre, ce que je trouve chiant, juste... C'est le fait que ce soit des légendaires. Et Hive sera d'accord avec moi. Non, j'attends pas mon don de 100 euros, mais au moins, là, on peut... Je peux voir les dons. C'est juste ça. Non, non, là on peut voir les dons, donc voilà, c'est juste pour moi. C'est au moins, si jamais on fait un don, je passe pas à côté. Voilà, c'est tout. Oui, j'attends mon don. Alors attendez. Comment ça se fait ça? Ok. Ah
Voilà. Bah oui, il y a Kate le last patch et c'est chiant qu'il y ait... C'est chiant qu'il y ait encore de nouveau un légendaire en fait, je suis complètement d'accord avec ça. Je suis complètement déçu qu'il refasse encore deux légendaires. En fait, genre au début, je me suis dit, oh c'est cool, ça va être des skins épiques. Enfin, des skins, ouais, des skins, vous voyez, moyens. Le truc, c'est que quand j'ai vu que... Pourquoi je peux pas remplir? Ah là, non. Non plus. Voilà. Quand j'ai vu que deux légendaires, bah ouais. Oui, mais Caitlyn est sortie, mais là, on a deux nouveaux légendaires, en fait. Et c'est assez chiant, parce que ça veut dire que, du coup... Bah... C'est relou, quand même, deux nouveaux légendaires, parce que ça fait quand même 1820. Et je sais que les deux sont beaux. Yasuo est beau et Riven est belle, en fait. Les deux sont vraiment magnifiques. Je pense que... Ive, honnêtement, honnêtement, no joke. Dis-moi, dites-moi, d'ailleurs, si vous avez vu les skins... Est-ce qu'ils sont réellement beaux? Moi, je surkiffe les deux. Pour moi, ils ont fait un réel travail sur Yasuo qui est juste génial. La danse est géniale avec le feu follet. Le Riven ne mérite pas d'être légendaire. Ouais, au pire, demande à Yves de le mettre la thune au Monopoly. MDR. Je regarde vite fait. Ouais. Le Riven ne mérite pas d'être légendaire. Si. Oh, tu as pris la canne à peste. C'est Colin qui va être content. Elle est facile à manier, non? Eh ben, à plus tard. Ok, il nous a mis un cadeau dans notre chambre, apparemment. En vrai, le skin... Si, je trouve que le... Ah d'accord, ok. Non, je me suis trompé. Touche. En vrai, je regarderais s'il y a un jeu Monopoly Online. Ça serait marrant. Pour moi, non. Si, le skin de Riven mérite. Il est honnêtement... Les effets... Alors, il y a un truc que je trouve juste magnifique. C'est les effets du Q-Spell. Les effets du Q-Spell, quand elle saute, etc., c'est juste magnifique. Genre, je trouve ça splendide. Alors. Ah, une épée de bois, elle était entretenue pour la manier, vous n'avez qu'à appuyer sur B. Donc du coup, on a notre première épée, en fait. Jeu Monopoly Online existe, mec. Non, sérieux? Oh putain, génial. Ok, les gars, à un stream, on sort un Monopoly Online, vous allez voir. Alors. Ah, c'est trop bien, c'est pas comme dans BOTW. Regardez, les gars. Oui, c'est mieux que dans BOTW, on peut pas casser ses armes. Alors. Hey Link, mais tu as un lance-pierre? Oh Link, tu l'as acheté? Mais tu cherchais la bite. Pardon. Yasuo, meilleur que Riven. Oui, oui, non, mais je suis d'accord. Yasuo est meilleur que Riven, totalement, totalement. Bon, on ferme cette parenthèse. Yasuo est meilleur que Riven. Rien que le feu follet est juste génial, en fait. La danse est géniale, etc. Mais voilà. Bon, on ferme la parenthèse. Le mec, il découvre les anciens Zelda. Bah, en fait, non, c'est pas ça. C'est juste que... après avoir passé des heures et des heures et des heures, je dois avoir passé plus de deux jours sur BOTW, et s'être habitué aux armes qui se cassent, oui, je suis content de revoir une épée qui tient la route. Je sais... Je sais que tu y as déjà joué. Oui, oui, j'ai joué à tous les Zelda presque, à part les rétro, parce que ça me tente pas tellement, mais je les ferai un jour. Bon, tout est prêt. Allez, montre-nous ce que ce lance-pierre dans le ventre. Vise les cibles et l'épouvantail. Vous êtes vraiment encore des gamins pour écouter... Oh merde, j'ai pas fait les actions. Vous êtes vraiment encore des gamins pour vous intéresser à ce point-là, à ce machin. Allez, Link, montre-leur, sinon on y est encore pour demain. Ah, c'est pas ce bouton-là, c'est celui-là. Ah, c'est un enfer. Même à la manette, c'est un enfer. Ouais, tu l'as eu, tu l'as eu. La version Wii U, j'ai. Dans le manuel, ils disent que c'est plus facile d'atteindre les cibles proches quand tu vises avec L. Je croyais qu'ils n'étaient pas intéressés. Alors, les cibles, j'ai eu un entraînement spécial sur BOTW, donc j'arrive encore à les viser. Rip le chat sur l'écran du live. Rip le chat. Rip. Qu'est-ce qu'il y a, le chat, sur l'écran du live? Bah, il a rien, le chat, sur l'écran du live. C'est celui, le chat du live. Bah, il a rien, le chat du live, les gars.
dessus le chat du live. Mais il a rien, regardez, il est là. Pourquoi vous dites triple chat du live? Il est là, hein. Je comprends pas. Parce que c'est notre projet, Brian! Le chat n'a rien. Pour toi, c'est qui le best de tous les skins LOL? Le best de tous les skins LOL, c'est Le best de tous les skins LOL, c'est Honnêtement, en fait, le best des skins, c'est un skin qui est beau, qui est agréable à jouer à la fois et qui a vraiment de très très beaux effets. Pour moi, le meilleur skin de LOL, je pense... Ah, c'est vraiment une question compliquée, ça, par contre. Un skin marrant et en même temps à la fois... Digesona, best skin. Oui, mon amour, je suis là. Bonjour, Brian. En plus, je suis content, je pense. Tu peux même si... Pas t'es qui. En vrai, je sais pas c'est quel des best skins de LOL. Ah, le téléphone. Très bien. Je sais pas trop. Je pourrais pas donner de jugement comme ça. Celui qui vend du plaisir à Robin. Non, je te vends du plaisir, Brian. Link, t'es vraiment trop fort. C'est vrai, il est très doué au lance-pierre. À l'épée, c'est pour tout le reste. Ah oui, au fait, la prochaine fois, tu pourras nous montrer ton épée. Ces derniers temps, il y a un singe qui nous fait des crasses. Je voudrais lui donner une leçon. Alors, s'il te plaît, apprends-nous à manier une épée. Oui. Ouais, génial. Je pense comprendre pourquoi Brian bosse. Super. Bon, alors, pour commencer, montre-nous le coup normal. Une attaque. Il faut appuyer sur B, hein. Ouais, une attaque horizontale, c'est ça, hein. Je crois qu'on peut aussi viser avec elle, faire une attaque verticale. Bon, alors maintenant... Ah, Link, dis-moi, montre-leur le truc, là. Tu sais, c'est quand tu vises avec elle et... Ça s'appelle l'attaque visée. Waouh, c'était super, Link. Sauf que c'était pas la bonne attaque. Mais qu'est-ce que t'en sais, toi, hein? Link a fait exprès. Pas vrai, Link? Bah, c'est pourtant ce que j'ai fait. Bah, c'est pourtant ça, hein. Mais je sais bien, mais... Ah, faut que j'appuie en même temps, peut-être. Je comprends pas. Avec ZL et de faire M et B. Ah, B, pardon. Voilà. Pas croyable, Link. Eh ben, pendant que tu y es, j'aimerais pas voir l'autre attaque aussi. Non, monsieur, je me suis trompé. Oh non, il est sur Dolphin. Merci, Discord. Mais pourquoi tu ne fais pas sur CMU? Pourquoi je ne fais pas sur CMU? Bah, parce que tout simplement, faudrait que je tienne un live en même temps. Donc autant dire que CMU, ça explose. Ah oui, merci Link. Je m'excuse de faire passer l'une des rares journées de congé avec ces gamins. Et attends une seconde, tu peux montrer un saut? Oui, ça. Wow. Dolphin, c'est le démon. Non, Dolphin, c'est bien, mais... Je préfère faire le jeu sur Dolphin et n'avoir aucun lag que le faire sur CMU et d'avoir quelques lags, Brian. Voilà, tout simplement. Merci, Link. Ouais, ouais, je crois que j'ai compris ce coup-ci. Ou peut-être pas. Mais avec ce satané singe, je me suis pointé quand il veut, il pourra rien faire. Mais, hé! Car à la limite, si tu veux TPHD, je l'ai. Ouais, non, mais t'inquiète pas, ça, à la limite, je le ferai tout seul de mon côté, TPHD. Ou alors en let's play, un jour. Je sais pas. Epona, viens avec moi! Eh ben, on verra, Brian. On verra. Je la téléchargerai un jour. Bon, en tout cas, vous m'excusez, mais là, j'aimerais bien finir vite fait, en fait. Parce que je dois bientôt arrêter le live. Alors. Fenrir et Baldur se sont lancés comme des fois à la poursuite du singe. Mais je n'arrive pas à les suivre. Ils vont trop vite pour moi. Rate la play avec Epona. Ils sont partis par là. Je m'en remets à toi, Link. Il est 20h45, il nous reste 15 minutes.
Ah, on est parti. Finir le live, ça sent le robin qui va les manger. Non, non, non. C'est juste que j'ai dit que, en fait, on a des horaires. Je ne suis pas le seul à live, sinon je vois live jusqu'à la fin, là. Mais non, je suis pas le seul, en fait, à live. Et le problème étant que je dois laisser la place à Upsy. Et Upsy, eh bien, il va live juste après, de 21h à 23h, sur du The Walking Dead, la fin du jeu. Voilà. Ouais, j'ai une horaire de live, c'était de 18h30 à peu près, jusque... Oula. Ah, je dois vraiment passer par là? Ah non, par là. Ok, alors là, s'il y a des petits freezes... Menyazuo Sun Maîtrisset avec Demon Blade. En vrai, tu sais que... Je vais pas te le cacher, Hive, je pense que tu vas me détester, mais c'est vrai, j'ai vraiment envie de faire ça. J'ai vraiment envie de rejouer Yasuo. Mais je suis sérieux, en fait, c'est même pas pour le fait de... Waouh, Yasuo! Non, c'est juste parce que je trouve que le perso est sympa, en fait. En vrai, si je le passe maîtrisé, tu me files Demon Blade ou ça se passe comment? Je déconne. Donc là, il y a des petits lags parce que c'est une grosse zone. Faut aller où, en fait? Attendez. Faut aller où? Faut aller où, les gens? Faut aller où? Faut aller là, je crois. Ah, c'est le retour des petits freezes. Il y a des petits freezes. Ah, c'est par là? Non, c'est pas là du tout. C'est où, les gens? C'est dans la grotte? Ouais, le nerf est nul, ouais, je suis d'accord. Ok, on réglera ça pour le prochain live, hein. Là j'ai pas le temps. Les lags pendant les boss, j'ai pas le temps pour le moment. Donc désolé. Mais autant régler ça au prochain live. Ah oui, vous trouvez une branche taillée. C'est celle de Fenrir. C'est Link à Jardinland. 50 graines. Ok, donc c'était bien et bien par là. Oh non, une keys. Oh bah, rip la keys. Ah ok, ça va en fait. Dans les endroits assez sombres comme ça, je pense dans les temples, ça devrait aller en fait. Ouais, ça va en fait. C'est juste dans les endroits où il y a beaucoup d'herbes, etc. Mais d'ailleurs, on va vous faire un petit truc avec Upsy. Normalement, on va vous faire un petit marathon de live pendant une soirée complète et pendant la nuit. Donc j'espère que ça vous plaira. N'est-ce pas, Upsy? On leur tease un peu le truc ou pas? Upsy, dis-moi si on leur tease le truc ou pas du tout. Brian, j'ai besoin de toi. Comment on fait ici? Il faut la lanterne? Il faut quoi? Ah ouais, merde, faut l'autre avec la lanterne. Je suis con. Je commence à me préparer. Moi, je trouve qu'il nerf son Yasuo, Riven, sans raison. Ouais, ça serait bien cool. On leur tease? Dis-moi si on leur tease, Upsy. Ouais, on tease. Lanterne. Ouais, ouais, je sais, Brian. Ouais, ouais. J'ai oublié que le mec il donnait lanterne. On va vous tease. En fait, on va faire un petit marathon à moitié PS4, à moitié League of Legends. Voilà. Tiens, un gars de tôle. Salut. Eh, je sais même pas, en plein jour, c'est dangereux de se balader sans lumière dans le coin. Il y a des grottes par ici, alors la lumière ne se tient pas. Tiens, tiens, prends ça. Ouais. Je fuis pour l'éclairer. Moi, je vends de l'huile. Histoire de faire manier les affaires. Tiens, essaye un peu, allume le feu. La marmite là. On va. Bravo le veau. Donc voilà, on va vous faire un petit live, un petit marathon. Donc j'espère, on espère que ça vous plaira. Et oui, tu vois, le feu a pris. Vas-y, lâche-toi et utilise ta lanterne à tout bas. Si tu as besoin d'huile, viens refaire le plein chez moi. En fait, si je lag comme ça dans une si petite zone. Comment on range la lanterne? Ah, comme ça. Faudra que je me procure une PlayStation caméra pour le facecam. Bestie W. Je vais manger toutes. À toutes, Brian. Enfin, à toutes. Bah, au revoir pour mon live. Hein. Après, si tu regardes celui de Upsy, pas de soucis. Upsy, tu me butes si je déborde un tout petit peu.
En vrai, je devrais pas trop déborder. Un rat! Un rat! Oh, meurs, rat de la nuit! Meurs, rat de la nuit! Meurs, Twitch! Ouais, il y a quelques lags. Il y a quelques lags, je suis désolé. MDR, un tout petit peu, ça va. Ah, les gars, va falloir vous battre. Soit je vais curse avec le rapi, soit je vais Skype avec, avec Hive, soit je vais Discord avec Brian. Ah oui, oh bah si ça freeze, mec, je rigole. Si ça freeze, je me tape une énorme barre, Upsy. Alors les gars, décidez-vous, hein. Soit je go avec Hive, soit je go avec... décidez-vous. Me dude, what the fuck? Qu'est-ce que vous allez me proposer? Qu'est-ce que vous avez à me proposer? Wow, wow, le lag. Oh non, mais là, les gars, ça en est monstrueux tellement que je lag. What? 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 Ouais, une grand-mère. Ouah, le lag. Ouah. Ah, mais j'imagine même pas sur la plaine d'Hyrule, ça va faire quoi. Ouah. Mon réveil. Ouais, ouais, bah, je changerai ça, hein. C'est bien par là, j'espère au moins. Ça se trouve, je vais à un endroit complètement random. Merde, c'était pas là, je crois. Voilà, je savais bien qu'il y avait un coffre. Quel compositeur, la musique de qualité. Vous savez quoi, vous aurez tous 30 minutes, ok? Vous aurez tous 5 minutes pour me convaincre. Imagine BOTW MDR. Bah BOT ça va parce que je serai à même la console, donc ça irait en fait. Mais il me faudra un autre... Hive, tu veux me conquérir? Achète-moi un live gamer portable. Et là, mec, je te kiffe. En vrai, le live gamer portable, ça coûte pas cher. Ça doit coûter 50 balles. Oui, BOTW, ça, je le tiens aise. Un live gamer portable light, ça doit coûter 70 balles. Mourez, jeune grand-mère! Ouah, c'est tellement les lacs de l'infini. Ah, c'est bon, j'ai la clé. Donc en fait, l'autre, il fallait que j'y aille.
Quoi, dude, il y a Nasus Infernal, RP skin, simil RP. Ok, donc High Five a gagné. C'était pas évident à trouver quand même. Tiens. Eh oui, c'est bientôt Upsy. Ah bah c'est bon les gens, c'est bon, on est à la fin et après ça, c'est au tour d'Upsy, du coup je vais devoir rendre l'antenne. J'ai scream pendant 3 heures, je suis matraqué des personnes âgées, quelle honte. Regardez. Ouais, le jeu il rame un peu, ouais. On changera ça pour le prochain live de demain. Enfin, demain s'il y a de la place. S'il y a de la place en live, je vous streamerai peut-être demain. Et s'il y en a pas, bah, du coup, non, il y aura pas de stream. Et voilà! C'est bon, les gens, c'est bon. Audio et what the fuck. Ouais, je sais, Luc, mais j'avais pas prévu ça. Il faut que je règle ça avec. C'est pas super plaisant visuellement. Mais je sais. Mais Luc, en fait, on a passé un super live. Tu peux demander aux viewers. Enfin, Lucas, pardon. J'ai dit Luc parce que je vois juste Luc Gamer vidéo, c'est pour ça. Les viewers. Mais alors, l'audio, moins. Ice Phoenix, Hive, etc. Vous pouvez lui dire que le live s'est super bien passé. C'est juste cette partie-là. Hein. Dites-lui juste. Parce que sinon, il va pas me croire. Heureusement que tu es arrivé, Link. Encore un peu, il allait me manger avec ce singe, bien sûr. Il est sympa, en fait. Il a voulu m'aider. Il s'est fait prendre aussi. Dis, Link. Tu ne vas pas le dire à mon père, hein. Il me répète tout le temps qu'il ne faut pas que je m'enfonce trop là dans la forêt parce que c'est dangereux. Alors, il ne faut surtout pas lui dire. Promets-le-moi. Je sais que ça c'est bien passé. Oui, c'était en plus, j'ai easy win. Link! J'espère que tu as coupé le live entre Escapite et Zelda. Oui, j'ai coupé le live. Oui, il y a eu une coupure de live. Quand Colin m'a dit que Fenrir était parti dans le coin à la forêt, il n'était pas encore venu, j'ai accouru et j'ai décidé de le ramener. Tu l'as déjà ramené, désolé. Ces derniers temps, je trouve la forêt bien changée. Et pas en bien. J'espère que cela ne va pas un mauvais présage à venir. Mais laissons cela, Link. Parlons d'autre chose. Demain, c'est le grand jour. Tu pars pour le château d'Hyrule. Je pense que j'ai bien fait de te laisser t'en occuper. Accomplis cette mission avec fierté. Si tu as de la chance, tu pourrais même rencontrer un passé Zelda. Et voilà, là vous voyez que le jeu ne rame plus. Parce qu'on est plus sur une nouvelle zone. Allez, on finit cette partie. Et je laisse la place à Upsy. Hey Link! Alors, l'heure de ton départ approche, hein. Bon, alors, aujourd'hui, on va finir la journée plus tôt. Et voilà. Eh bien, les gens, merci d'avoir regardé ce live, ce premier live. J'espère qu'il vous aura plu. Je suis désolé pour toute la gêne occasionnée. Je vous réglerai ça plus en détail pour le prochain live. Donc, voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. N'hésitez pas à me rejoindre sur YouTube Alvators. N'hésitez pas à follow. Les dons sont à quel nom? J'ai juste un truc à montrer à Alvaro. Bon, ok. Mais là, ils sont mieux. Ta gueule, toi. Ferme ta gueule. J'espère que ça vous aura plu pour un premier live. Je vous dis à très vite pour le prochain. C'était Alvators. Et je laisse la place à Upsy. Je rends l'antenne. Ciao tout le monde et bonne soirée. Allez, salut.